concept de jardin work, c'est vraiment simple. C'est dans un jardin, avant que le jardin soit rempli de fleurs, je pense que ça commence toujours par une graine. Et cette graine-là, il faut l'arroser, il faut la maintenir, il faut justement, quand elle penche sur le côté, il faut la redresser. Et je pense que justement, toute cette notion-là, toute cette métaphore-là, ça va avec l'athlète qui a besoin justement de quelqu'un à côté de lui qui va être capable de le redresser quand il a besoin, lui donner la motivation quand il tombe sur le côté. Je pense aussi, la plante, j'ai l'impression qu'elle pousse mieux quand elle voit le soleil. Et je pense que l'athlète, il doit être capable de voir la lumière à travers tout le travail qu'il fait. Et je pense que la personne qui le suit doit être capable aussi de lui montrer que il y a des résultats qui arrivent, peut-être pas nécessairement à la vitesse que lui veut, mais qu'au final, c'est pour que la graine devienne une fleur. Et je dis souvent, j'ai souvent une référence que le gymnase, c'est le jardin d'Éden, parce que dans le jardin d'Éden, c'est là où les plus beaux fruits poussent. Et les fruits, ils sont différents, c'est pas les mêmes, mais au final, je pense pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Chacun apporte son jus qui est différent à sa manière. Et justement, chaque athlète, pour faire une équipe, chacun doit apporter son jeu à sa manière. Et je pense que c'est ça, justement, la force de Jardin Work. C'est justement le fait que le jardin, c'est l'endroit où l'athlète devient sa forme finale et éclos.